La COP 28 est également l'occasion pour la diplomatie française de mettre en avant la construction de ce qu'on appellerait en anglais les country packages, qui sont des initiatives de longue durée pour aider les pays à protéger leurs ressources de carbone et de biodiversité, en particulier au Congo, au Gabon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en RDC. Et deux de ces initiatives seront exposées le 8 décembre et seront officiellement présentées sous la forme de déclarations. La France a aidé à créer des coalitions de financement pour sécuriser à très longue durée ces opérations qui viennent se compléter et non pas remplacer les différents mécanismes qui existent déjà. Côté du CIRA, nous nous sommes coalisés avec plusieurs organisations françaises, nous sommes 6 organisations françaises, pour accompagner ces country packages et en particulier pour identifier les besoins en recherche que nous discutons avec les pays hôtes. Nous venons d'organiser avant la COP 3 jours d'atelier au Gabon. Nous prévoyons un atelier au Congo très prochainement et sans doute ultérieurement en RDC qui permet de co-construire avec nos partenaires dans chacun de ces pays-là les priorités de recherche et aussi, de manière très importante, les priorités en matière de renforcement des capacités.